Bidet, Sablé sur Sarthe, quand même. Je sais pas si vous le connaissez, il y a rien. Ah oui, je connais bien. Non, mais enfin, tu vois, il y a François Fillon. Sablé sur Sarthe, c'était un lieu incroyable. À 10 km de Sablé, en Mayenne, il y a Jublin, où les Romains sont venus et où ils ont construit un petit fortin. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Jules César, il est venu jusqu'à chez moi. Et là, ça a été un choc incroyable. Je me suis mis à prendre conscience de ma réalité, me dire que là où j'habitais, eh bien, il y avait plus d'épaisseur, c'était beaucoup moins anonyme, c'était moins anecdotique, c'était super dense, c'était incroyable, il y avait des trucs à vivre de fou. Ensuite, si vous avez encore 2 minutes, deuxième choc. À 15 ans, j'ai quitté ma province. Oh, j'étais bien décidé à empoigner la vie. Oui, je suis un plagiaire. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais bien sûr de conquérir Paris. J'arrive à Paris avec mes parents, très content, et je m'installe dans une rue toute pourrie du 13e arrondissement, la rue de la Reine Blanche. Vous connaissez la rue de la Reine Blanche? Il n'y a rien. Il n'y a même pas François Fillon. Il n'y a rien. Mais, armé de ma passion pour l'histoire, je me suis dit, oh bah je vais aller faire une petite enquête, parce que le mot histoire, faut pas oublier que ça nous vient d'un mot grec, Hérodote, enquête, historia en grec. Donc hop, je m'achète la Bible de l'époque, qui n'était pas encore métronome, c'était con. Mais à l'époque, la Bible, c'était un livre de Jacques Hilaret, qui s'appelait le Dictionnaire historique des rues de Paris. Vous connaissez ce livre? Oui. C'est la Bible. La Bible absolue. Festival de Cannes. On n'a pas arrêté de voir tous ces mecs révoltés en smoking qui étaient là sur la croisette, etc. Mais les superstars de Cannes avant, c'était pas les producteurs de cinéma, c'était des moines. Hello, je vous retrouve un long moment après cet événement qui était juste trop bien.
Donc, c'était la présentation des sorties de fin d'année, alors que je résume en rentrée littéraire, mais pas vraiment en fait, parce que la rentrée littéraire est plutôt au mois de septembre, alors que là, on était sur des livres qui sortiraient, bien, y compris en octobre, novembre. Cet événement était génial, avec eh bien, les équipes de chez Michel Lafon, et devant nous, on était avec plusieurs Instagrammeuses, Instagrammeurs. Devant nous, il y avait toute une rangée de, eh bien, de people, hein, on peut dire ça comme ça, avec eh bien, François-Xavier de Maison, avec Laurent Deutsch et tout, c'était super drôle. C'est-à-dire que, en fait, devant moi, il y avait un siège vide et juste à côté, c'était François-Xavier de Maison. C'était assez dingue. Laurent Deutsch était pas trop loin. Et c'était hyper sympa parce que tout était présenté sur l'écran tel un film. Chaque auteur ou représentant de l'auteur était présent et a fait un petit speech. C'est un format que je connaissais pas en fait. J'ai trouvé que c'était assez original et assez chic au final. Et puis, bah, c'est toujours la même chose. Quand un auteur parle de son livre, c'est forcément captivant. Là, au niveau des sorties, on était sur quelque chose d'assez complet parce que on n'était pas uniquement sur des romans. Il y avait également une partie historique, une partie scientifique, une partie cuisine, une partie sport, une partie détente bande dessinée. Donc voilà, un éventail très très large. Et voilà, forcément captivé, captivé. Laurent Deutsch, c'est la première fois que je le voyais en vrai. Mais c'est assez dingue. Il m'a juste donné envie de lire tous ses livres. Alors j'ai Métronome en super grande version. Là, je m'en suis pas un Métronome. Enfin, je sais pas, une version super grande dans un boîtier et tout là. Mais c'est vrai que de ce qu'il racontait, enfin, c'était super intéressant. Et puis, une séquence un peu émotion avec Agnès Martin-Lugan et ce retour sur 10 années, 10 années d'écriture, 10 années de sortie. Et ouais, son intervention était vraiment émouvante. Et super intéressante. Et puis bah, tout ça s'est terminé par un apéritif. Voilà, on a mélangé les Instagrammeurs, les auteurs, les gens de la maison d'édition, les éditeurs, etc., etc. Et ce moment était vraiment très très chouette. Le lieu était top. Et à chaque fois, j'ai beau aller à pas mal d'événements littéraires, les lieux sont à chaque fois différents, ce qui est proposé est tout le temps différent et à chaque fois c'est hyper riche. J'ai pas l'impression d'avoir tout le temps une copie conforme ou de faire tout le temps la même chose, pas du tout. Et c'est même, enfin, c'est des ambiances qui sont différentes. Là, il y avait deux, trois instruments qui étaient là dans la salle. Il y avait ce qui était proposé, même à manger, était assez sympathique, original. Et voilà, même sur ça, en fait, ça change d'un événement à l'autre. Donc voilà, un immense merci aux équipes Michel Lafon parce que c'était un moment très très privilégié, j'en ai bien conscience, et avec ce côté un peu people qui était assez rigolo et qui change, on est reparti avec un sac, hop, un sac de chez Michel Lafon, et donc à l'intérieur, il y avait cette carte, d'ailleurs le message était affiché à la fin sur l'écran. Hop. Voilà. Donc, merci de nous accompagner chaque jour dans de nouvelles aventures littéraires. Donc, c'est remis. C'était le 6 juin 2023 au cinéma du Panthéon. Mais même ça, je trouve que c'est hyper émouvant. Alors, nous avons eu un carnet de la déraison, avec la couverture de la déraison d'Agnès Martin-Lugan. Voilà, un petit carnet avec des lignes. Et puis, hop, et puis, ce livre, cette bande dessinée, Jean Moulin, alias Romanin, de Bénédicte Verguez-Chaignon, le grand héros de la Résistance, était aussi un artiste. Et voilà. Vraiment un très très beau livre.
Voilà. Donc un immense merci aux éditions Michel Lafon pour cette soirée dingue. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve très vite pour d'autres moments, que ce soit des podcasts lecture avec mes avis lecture, que ce soit des vlogs avec des moments notamment comme ça, des book hauls, etc., etc. On se retrouve bientôt.